se retrouve pour une vidéo un peu spéciale. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer comment mettre un skin Minecraft. Alors pour cela, vous aurez besoin de iFile Minecraft, bien évidemment, mais c'est juste pour vérifier. Alors vous aurez besoin d'iFile et d'Internet. Alors vous ouvrez Safari. Ah oui, et pour avoir iFile, il faut avoir un iPad jailbreaké. Voilà, c'est-à-dire qu'il est craqué. Alors, vous ouvrez Safari, vous allez sur Skin MCPE, vous tapez Skin MCPE, vous allez sur MCPE Minecraft Skin, le premier. Et là, vous aurez différents skins. Les skins, attendez que ça charge. Genre voilà, New Genero. Vous avez différents skins. Il y a vraiment pas mal de skins, ils sont vraiment bien. Alors, je vais vous les montrer tous. Hein. Enfin, à chaque fois qu'on retourne sur ce site, il y en a de nouveaux. Donc voilà. Alors je vais choisir un au pif, genre je vais choisir celui-là. Là. Next Gen Heroes. C'est vraiment au pif, hein. J'ai pas. Voilà. Donc là vous avez la présentation du skin. Donc le skin est comme ça. Excusez-moi pour ma voix, j'ai un peu la voix cassée. Alors là, vous pourrez éditer votre skin, donc c'est-à-dire que vous pouvez le modifier. Là, c'est si vous êtes connecté au site, si vous avez un compte, vous pouvez l'ajouter un peu comme à vos favoris, si vous voulez. Et là, pour mettre le skin, nous, on va cliquer sur Download Computer. Là, vous voyez la petite image, vous cliquez longtemps, enregistrer l'image. Vous quittez Safari, vous allez dans iFile. Une fois que vous êtes dans iFile, vous allez dans Images. Alors vous allez dans cela et logiquement, c'est la dernière. Moi, j'ai pas trop de photos non plus. J'ai fait le tri. Alors vous cliquez sur l'image, vous faites lecteur d'image, juste pour vérifier. Après, vous faites le petit i là, vous faites nom, vous allez modifier le nom, excusez-moi, et vous marquez char.png. Alors voilà, vous faites terminer, char.png. Ah oui, attendez, ça c'est parce que j'en ai un autre. Ça c'est normal. Enfin, vous, ça ne le fera pas, mais c'est parce que moi, j'en ai déjà. Parce que j'ai changé mon skin il n'y a pas longtemps. Donc, lui, on le modifie. C'est mon skin que j'avais. On modifie. Donc là, normalement, c'est celui-là. Là, vous modifiez le nom. Vous mettez char.png. Et là, normalement, vous pouvez... Voilà. Ah, maintenant, vous allez tout en haut. Char.png, normalement, il est tout en haut. Vous allez dans les C. Char.png, voilà. Maintenant, vous faites modifier. Vous cliquez dessus. Copier lien. Vous faites OK. Alors, vous allez dans les applications. Alors ici, les applications, au début, ça sera des lettres, des trucs bizarres. Vous allez dans la petite roue, là, enfin l'engrenage. Vous faites gestionnaire de fichiers. Et là, il y a nom des applications. Alors, vous cochez nom des applications. En fait, ça sera comme ça, là. Ça sera comme ça, vous. Vous allez là. Vous faites gestionnaire de fichiers. Et là, vous cliquez sur nom des applications. Alors, une fois que ça, c'est fait, vous allez sur Minecraft PE. Vous allez minecraftpe.app. Là, vous faites modifier, coller, écraser. Et là, vous avez votre skin. Je vais vous le montrer. Là, vous allez sur...